C'est en pleine nuit, vers 23h, le vendredi 8 septembre 2023, à 10 km au sud de Marrakech que s'est produit un séisme des plus meurtriers. De magnitude 7 sur l'échelle de Richter, le séisme a fait à peu près 1305 morts d'après les derniers chiffres. Rappelons que d'autres tremblements de terre ont déjà touché le sol marocain en 1960 et en 2004. Les réactions ne se sont pas fait attendre de la part des célébrités. Slimane, Bernard Montiel et d'autres personnalités publiques ont fait part de leur tristesse et ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux. Un drame cauchemardesque dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, un séisme dévastateur a semé la panique chez le peuple marocain. Des villes comme Alaou, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichawa et Taroudan ont été touchées. Selon le CNRST, c'est dans la province d'Alaou à 10 km de Marrakech que se trouvait l'épicentre du séisme. Le bilan n'étant pas définitif, il s'élève actuellement à 1305 morts et 1832 blessés. Ayem Nour, qui a été au Maroc et présente sur le lieu au moment du drame, a fait part de son effroyable expérience sur son compte Instagram. Je viens de voir la mort. Je suis choqué. Nous ne sommes vraiment rien sur cette terre, a-t-elle écrit en story. Story d'Ayem Nour @Instagram. Des célébrités réagissent et apportent leur soutien. Les réactions ne se sont pas faites que sur place, de nombreuses célébrités ont montré leur soutien aux victimes sur les réseaux sociaux. Parmi eux figure Gad Elmaleh, étant lui-même originaire du Maroc et attristé par la tragédie, a exprimé son soutien à travers un post Instagram, pensée et soutien à toutes les victimes et leurs familles. Aussi originaire de Maroc, Bernard Montiel, connu de tous sur TPMP, a posté une image du drapeau marocain avec comme légende, solidarité avec le Maroc, les Marocaines et Marocains, pays où je suis né. Le bilan s'alourdit. Si est-il horreur. Pensée émue pour les victimes et leurs familles. Stéphane Rothenberg, actuellement en plein tournage de Pékin Express, a également posté une vidéo sur son compte Instagram. Au nom de toute son équipe, le présentateur a transmis leur soutien aux victimes. Ici aussi on a entendu parler du drame qui touche le Maroc. Toute l'équipe de Pékin Express se joint à moi pour exprimer son affection et sa compassion, a-t-il déclaré. Outre ses personnalités, Slimane, le chanteur, a aussi fait part de ses émotions sur Instagram. Pensée émue pour tous les gens se trouvant au Maroc et notamment à Marrakech, que Dieu vous protège.